vous n'êtes pas obligé d'éteindre la salle. Hein. C'est vrai que ça ressemble à une conférence. Hein. Il y a un pupitre, un amphi, une tribune, un commissaire, mais vous, ne vous y trompez pas. Le Centre d'information Europe Direct de Grenoble et l'association J'aime en débat vous ont concocté ce qu'à la Commission européenne on appelle un dialogue citoyen, et le personnage principal, outre le commissaire, le personnage principal de ce dialogue, c'est vous. Moi, je m'appelle Julien Roiran, je serai juste le médiateur de nos échanges. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Henri Oberdorf. Vous voulez bien prendre le micro, me rejoindre? Vous êtes le président de l'Université populaire européenne de Grenoble. C'est vous qui êtes à l'initiative de cette rencontre. Pourquoi est-ce que vous aviez envie d'inviter Pierre Moscovici à Grenoble pour débattre de l'euro avec les Grenoblois? Au fond, notre démarche est une démarche qu'on peut comparer à celle de l'Union européenne, démarche citoyenne, d'exposer une éducation européenne. L'Université populaire européenne de Grenoble a depuis régulièrement des conférences, débats de cette nature, et nous avons eu la possibilité d'inviter, de convier le commissaire européen Pierre Moscovici à un dialogue citoyen. Nous le remercions beaucoup d'avoir accepté de venir dialoguer, d'échanger librement avec nous sur un sujet complexe, il est vrai, l'euro, frein ou moteur de la croissance ou de l'emploi. Et nous sommes très honorés, bien sûr, de sa visite. Notre université populaire s'efforce de mettre en place depuis une douzaine d'années un certain nombre de manifestations sur des thèmes européens afin de mieux faire connaître, et bien sûr, les questions européennes, toutes les facettes de cette construction. Nous fonctionnons depuis maintenant plus de 12 ans et nous avons fait à peu près 120 conférences. Tout ça est sur le site de l'UPEC. Monsieur le commissaire européen Moscovici était le plus qualifié pour traiter ce sujet complexe de l'euro. C'est un Européen de cœur et d'expérience, comme il le dit dans son propre livre, S'il est minuit en Europe. Ce livre volontariste propose un vrai programme pour redonner un certain souffle à la construction européenne. Il s'agit de poursuivre cette construction, de l'intégration, pour que les citoyens s'approprient leur propre destin. Je reprends pour des formules de votre propre ouvrage. Son militantisme pour la cause européenne est bien connu. Il s'est exprimé lors de sa présidence du Mouvement européen France. Son expérience européenne est ancienne et complète, soit comme député européen, vice-président du Parlement européen, soit comme ministre en charge des affaires européennes ou ministre de l'économie et des finances de la France, et maintenant, depuis 2014, comme commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et de l'Union européenne. Il connaît les dossiers difficiles de la zone euro, notamment, bien sûr, celui de la zone euro pour la Grèce et le dossier grec complexe. Par ailleurs, il est déjà venu à Grenoble à plusieurs occasions lorsqu'il était ministre en charge des affaires européennes pour des conférences à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Ça change, on est dans un autre amphithéâtre, dans un autre hémicycle. Et puis, il y a là aussi, il a été, il s'en souvient, parrain d'une promotion d'étudiants du master études internationales et européennes de l'Université de Grenoble. En partenariat avec l'école de management, les étudiants de J'aime en débat, mais aussi la maison de l'international de Grenoble, Europe Direct, sans oublier Radio Campus qui vient de faire une interview assez longue, Agora Lab aussi, nous avons organisé ce moment pour les échanges, qu'ils soient libres, des échanges nombreux et fructueux. Et alors pourquoi, parce que M. Moscovici pouvait parler sur plein d'autres sujets. Pourquoi l'euro aujourd'hui, quoi, c'est les 15 ans? Oh non, c'est pas les 15 ans, même si effectivement l'euro est dans la poche des citoyens européens depuis 2002. C'est la monnaie commune à 19 États membres et qui est utilisée par 342 millions de citoyens européens. C'est pas tout à fait négligeable. Elle a vocation à devenir la monnaie de la majorité des États membres, y compris parce qu'il y a le Brexit, ça facilitera peut-être les choses. L'euro est devenu une forme de ciment, me semble-t-il, pour la confection de l'Europe. Il facilite les échanges et il s'agit aujourd'hui de la deuxième monnaie de référence mondiale, ce n'est pas à négliger. Pourtant, les critiques demeurent sur sa confection initiale de la part des économistes, atterrés ou moins atterrés, mais des économistes qui souhaitent soit sa disparition, son abandon, soit sa reconstruction. Les partis politiques populistes rejettent la monnaie euro en considérant que c'est une limite inadmissible à la souveraineté des États. Que penser de ces contestations des populistes? Pourquoi l'euro suscite
Il est vrai, aujourd'hui, c'est assez fréquent, des analyses mensongères sur la facilité d'en sortir ou sur la possibilité de s'en passer. Pourtant, la Grèce, ayant subi une crise économique et financière tout à fait importante, n'a jamais vraiment imaginé de quitter la zone euro. La zone demeure solide. La Banque Centrale Européenne a pris beaucoup d'ampleur, voire de pouvoir, certains disent, au-delà de ses compétences juridiques, pour aller au-delà de la maîtrise simplement de l'inflation. Alors, il paraît indispensable de valoriser entre les États membres, ce que vous dites aussi dans votre ouvrage, le couple solidarité-responsabilité, et c'est un élément important. Faut-il aller vers un ministre des Finances de la zone euro pour une meilleure gouvernance politique de cette zone? L'euro ne devrait-il pas être encore plus un moteur pour l'Europe, sa croissance, son emploi? L'euro ne doit pas être perçu comme une contrainte de plus, mais peut-être comme une chance pour l'Europe. Merci encore, Monsieur le Commissaire, de nous aider à y voir plus clair sur cette question délicate, difficile, et de faire mieux connaître et partager cette belle idée européenne. Puisque c'est vous le personnage principal, avant qu'on passe la parole tout de suite à M. Moscovici, je voudrais qu'on prenne la température de cette salle. Vous avez vu la question qui s'affiche là-haut. Je vais vous demander de voter à main levée. Parmi vous, qui pense que l'euro est un moteur pour la croissance et l'emploi en Europe? Levez la main. Ok, ça donne un petit indice. Maintenant, vous voulez bien baisser la main. Qui pense que l'euro est un frein, plutôt un frein pour l'emploi? N'hésitez pas, hein, c'est pas pour vous fliquer, c'est justement pour voir la proportion des gens qui sont là et vous aurez, bien entendu, la parole. Levez bien la main. Donc, ok. 6, 7, 8, mais pas beaucoup. Et qui considère qu'il n'a pas assez d'infos ou qu'il n'est pas calé sur cette question, qu'il n'a pas d'avis, qu'il ne peut pas répondre oui ou non? Ok, bien. Est-ce qu'à votre avis, M. Moscovici, c'est conforme à la répartition de ce que pensent les Européens ou les Français? Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire avant de commencer, puisqu'ensuite, c'est eux qui décideront de quoi on parle? D'abord, merci de m'accueillir ici pour ce débat. Je suis déjà venu même dans cette école de management pour un débat de J'aime en débat. Même si ce n'était pas dans cette amphi, il y a quelques années, je ne sais plus, parce que j'ai dû venir une dizaine de fois déjà à Grenoble dans ma vie politique ou dans ma vie aussi d'enseignant, puisque j'étais enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris pendant très longtemps. Et j'ai un peu souri en vous voyant parce que on rêverait que les Français soient comme ça, mais non, cette salle n'est absolument pas représentative de ce que pensent les Français. Les Français sont favorables à l'euro, dans une proportion qui est encore élevée, qui est de l'ordre de 68%, donc absolument beaucoup plus faible que celle qui se manifeste ici. Et je pense que beaucoup de Français, en réalité, n'ont pas toutes les informations qui sont nécessaires. Donc il reste encore à convaincre et il reste encore à informer. Et puis, je n'ignore pas que nous sommes dans une année électorale, une année présidentielle, et l'euro sera dans la campagne, puisqu'il y a au moins une candidate, celle du Front National, qui fait de la sortie de l'Europe et de la sortie de l'euro son fonds de commerce. Je parlais de Mme Le Pen. Et donc, ce sera aussi l'occasion, d'une certaine façon, d'avoir un référendum sur l'Europe. J'ai envie de dire, si on souhaite sortir de l'Europe, si on souhaite sortir de l'euro, il faut voter pour elle. Sinon, il faut à tout prix éviter cela. Et je pense qu'il y a de bonnes raisons de l'éviter. Quand je regarde le passé, en réalité, ce que nous fêtons en ce moment, c'est le 25e anniversaire du traité de Maastricht, qui a été signé le 7 février 1992. Donc ça fait exactement 3 jours. Et en même temps, le 15e anniversaire de l'euro. Et moi, je commence à avoir un certain âge, j'ai vécu quelques années avant l'euro, j'ai travaillé avant l'euro, et je pense qu'il ne faut avoir aucune nostalgie de ce qui existait avant. J'étais un jeune haut fonctionnaire au début des années 90, je travaillais au commissariat général du plan, c'est devenu France Stratégie depuis, et je me souviens très bien, j'étais chef du service du financement et de l'économie de ce commissariat, du début des années 90, où la France menait ce qu'on appelait une politique du franc fort, c'est-à-dire qu'elle souhaitait maintenir sa parité avec l'Allemagne, mais où, pour ce faire, il y avait des taux d'intérêt de 5%, 500 points de base, supérieurs au taux d'intérêt allemand. Ce qui veut dire que si vous étiez français,
si vous souhaitiez investir, si vous souhaitiez consommer, si vous souhaitiez faire un prêt, vous aviez un surcoût de 5% par rapport à votre voisin allemand. Ce qui veut dire aussi que la valeur des patrimoines français était grevée d'autant. Ce qui signifie aussi que nous avions une tendance sous-jacente à l'inflation qui est un impôt sur les plus pauvres. Et la vérité, c'est que l'euro nous a apporté une chose absolument essentielle qui est la protection et la stabilité. Protection contre la spéculation, spéculation entre les pays européens, spéculation sur l'échange, spéculation sur les taux d'intérêt. Franchement, l'idée d'avoir à nouveau un franc, une livre, une lire et un Deutsche Mark est une idée que je trouve assez cauchemardesque, surtout dans une économie qui est légèrement moins compétitive que celle de son principal voisin et partenaire, l'Allemagne. Nous serions là des perdants et je pense que ce serait pour nous une extrêmement mauvaise affaire. Et puis, la stabilité d'une monnaie qui est aujourd'hui la deuxième monnaie de réserve mondiale, d'une monnaie qui nous apporte de la force. Et donc ça, ce sont des acquis tout à fait sérieux qui justifient en réalité votre vote. Cela dit, je ne suis pas non plus en train de dire que tout va bien, Madame la Marquise. S'il y a encore 32% des gens qui sont hostiles à l'euro, s'il y a, on le sait, un euroscepticisme qui grandit, s'il y a un désenchantement, une déception par rapport à l'Europe, et je suis prêt aussi à répondre à d'autres questions, bien sûr, que les questions sur l'euro, c'est qu'il y a des causes. Et ces causes, c'est que la zone euro et l'Europe sont depuis longtemps une zone de croissance faible. C'est qu'il y a des divergences au sein de l'Union européenne et au sein de la zone euro entre des pays qui en profitent beaucoup et d'autres qui sont obligés de faire davantage d'efforts. Quand je regarde les chiffres, je vois que l'Allemagne a un déficit, un excédent commercial de 252 milliards d'euros, que la France a un déficit de 50 milliards d'euros. Je vois que l'Allemagne a un excédent budgétaire de 0,6%, que l'Espagne a un déficit qui est encore supérieur à 4%. Je vois que la dette publique de l'Italie est deux fois supérieure à celle de l'Allemagne. Et je vois que le taux de chômage allemand est égal à la moitié du taux de chômage de la zone euro. Donc il y a cette sensation qu'il y a des différences, des divergences, des inégalités entre le nord et le sud et entre les individus. Et ça, je pense que dans la durée, ça ne peut pas perdurer. Si on veut que l'euro ne soit pas seulement une protection, ne soit pas seulement une stabilité, mais soit aussi un élément de dynamisme économique, de performance économique et d'adhésion sociale et politique, alors il faut ajouter à l'euro une dimension de politique économique qu'il n'a pas encore aujourd'hui et qui lui manque. Et ça, c'est, me semble-t-il, la tâche de la génération qui vient. Merci. Je crois que vous devez partir vers 19h. Il nous reste donc 1h30 d'échange. On va prendre le maximum de questions possibles. Mais vous allez pouvoir les prendre au micro. Camille, Clément et moi, on vous le passera tout à l'heure. Mais il y a un autre moyen pour intervenir dans ce dialogue. C'est Twitter avec ce double hashtag EUDialogue, hashtag Grenoble. Et je vais laisser afficher quelques instants, si vous en avez besoin, les codes Wi-Fi. Alors, n'hésitez pas, ces hashtags sont monitorés ici, mais également à Bruxelles. Et dans notre échange, c'est Radio Campus Grenoble. Ils sont ici, c'est Mathieu et Alexandre, c'est ça, qui vont suivre vos réactions. Et à chacune des séquences de notre dialogue, eh bien, ils nous feront part de leur perception. La perception dans cette salle, qui ne s'est pas exprimée oralement, et la perception à l'extérieur. Mais pour être sûr qu'on n'était pas complètement à côté de la plaque par rapport aux préoccupations des Grenoblois, eh bien, j'aime en débat étaler, demander, je veux bien que vous vous leviez peut-être, Camille et Clément, vous êtes allé poser la question aux jeunes Grenoblois sur leur manière de percevoir la réponse à cette question. Et ça donne autour de 4 grandes thématiques. Je vais vous demander, écoutez bien, parce que dans un instant, je vais vous demander celle que vous considérez comme étant la plus importante, et c'est celle-ci par laquelle on commencera, et c'est la séquence à laquelle on donnera le plus de temps. Alors, qu'est-ce qui s'est dit, par exemple, sur la première question qui était posée, là, Camille ? Exactement, Julien. Alors, nous sommes allés poser des questions donc, à des étudiants, à la fois à GEM et à la fois hors GEM. Nous sommes notamment allés sur les environs du campus et de l'école.
Et il en est ressorti, pour rebondir sur ce que disait M. Moscovici, qu'effectivement, les étudiants sont globalement favorables à l'union monétaire, à l'euro. Et donc, nous avons traité trois thématiques, l'avenir de la zone euro, l'emploi et la croissance, le Brexit, parce que c'est totalement d'actualité en ce moment, et les monnaies locales. Donc, nous allons peut-être commencer sur la première vidéo à propos de l'avenir de la zone euro. Oui, bah on ne va pas la passer tout de suite, ça démarrera notre séquence tout à l'heure. Donc, il y a une question autour de l'avenir de la zone euro, Monsieur Moscovici l'a évoqué. Il y en avait une autre autour des questions plus globalement de l'emploi et de la croissance. Et puis, bien sûr, une question qui intéressait notamment la ville et Monsieur Pascal Clouer qui nous a rejoint, qui a une question spécifique qu'on vous posera tout à l'heure autour des questions de monnaie locale. Et puis, il y avait un autre sujet. Voilà, le Brexit. Le Brexit. Donc, je vais vous demander de voter à main levée, vous avez bien entendu. La première séquence, on va pouvoir y consacrer 20-25 minutes d'échange. À votre avis, est-ce que c'est plutôt la question de l'avenir de la zone euro, ceux qui pensent que c'est ça, levez la main. Voilà, on va le faire à vue de pif, je vois. Est-ce que ceux qui pensent que la question prioritaire, c'est celle des effets sur la croissance et l'emploi? Ok. Hein, je crois qu'on a un petit indice. La question des monnaies locales. Ok ? Bien. On a quand même quelques personnes qui s'y intéressent. Bien entendu, toutes ces questions seront abordées. Et la question du Brexit, est-ce que c'est celle-ci qu'on doit aborder prioritairement ? Non. Je vous propose donc de commencer par la question de l'emploi et de la croissance que nous ont dit les Grenoblois, que vous ont dit les Grenoblois. On les écoute. L'euro a-t-il contribué à la croissance et à la création d'emplois? Je pense que ça dépend des pays. Par exemple, en Allemagne, on peut voir que justement, ça a favorisé la création d'emplois. Alors qu'en France, le bilan est beaucoup plus mitigé. Donc je pense que ça dépend vraiment de quel genre de pays on parle et la situation économique actuelle. Je pense effectivement que le bilan de l'euro est mitigé. Ça a profité pas mal aux poids lourds, notamment les pays qui ont été dès le départ, donc au cœur de la construction européenne, donc bon, la France, l'Allemagne, mais aussi d'une manière générale, les pays qui sont arrivés assez tôt. C'est vrai que pour les pays qui sont un peu rajoutés, parce qu'on a voulu trop élargir, c'était pas forcément une bonne chose, comme la Grèce par exemple. Au niveau des pays de la zone euro, je pense que ça a beaucoup aidé pour les pays d'Europe de l'Est comme la Roumanie, mais au niveau de la France, je ne pense pas. Au niveau de l'agriculture, il y a eu des manques à gagner au niveau de notre production qui a été égalisée par rapport aux autres pays. Et je pense qu'on a peut-être perdu des parts de marché sur ce côté-là. Camille. Oui, alors nous avons une question sur ce sujet et plus globalement donc sur l'Union européenne. On sait par exemple que le seuil des 3% de déficit budgétaire a été inventé en 1980 sur un coin de table par des hauts fonctionnaires de l'État français sous Mitterrand. Et on peut se demander si ce seuil il n'est pas inadapté pour les pays. Donc en fait, il est adapté aux pays comme la France ou l'Allemagne. Mais pour la Grèce, par exemple, dont le taux de chômage est de 23%, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt davantage besoin d'une politique de relance? Première question, directe. Je le redirai aux intervenants. Plus vous faites des réponses courtes, plus on peut prendre d'interaction. Et j'arrête d'être cavalier pour commencer. Celle-là n'est pas la plus simple. Non, c'est vrai. Je vous le conseille. Donc je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps et sur d'autres, après, j'essaierai d'être plus économe. D'abord, quand vous avez un contrat de copropriété qui s'appelle la zone euro, vous avez besoin d'avoir des règles communes pour tout contrat de copropriété. Deuxièmement, il faut bien voir que ces règles, certes inventées sur un coin de table, sont en fait des règles de bon sens qui vous disent qu'il ne faut pas dépasser un certain niveau d'endettement, 60% en théorie, et que pour ne pas dépasser le dit niveau d'endettement, vous ne devez pas faire des déficits trop élevés, puisque si vous faites plus de déficits, vous vous endettez davantage, compte tenu du niveau des taux d'intérêt. Bon. Et je pense qu'en réalité, l'intérêt de nos économies est de ne pas s'endetter. L'endettement est la dépense la plus stupide qui existe. Tout euro qu'on consacre au remboursement du service de la dette est un euro en moins pour l'éducation, pour la recherche, pour le développement, pour l'innovation, pour la santé, pour la justice, pour la sécurité. Et moi, je me désole quand je vois le service de la dette se gonfler. Deuxièmement,
quand vous êtes endetté, vous dépendez par définition du niveau des taux d'intérêt. Et le niveau des taux d'intérêt, justement, a tendance à augmenter, c'est ce qu'on appelle les spreads, quand votre déficit est plus élevé que celui de votre voisin. Troisièmement, la dette est en général détenue par les plus riches et le service de la dette est remboursé par les plus pauvres. Et donc, au final, je pense que c'est une question, d'une part, de règles et donc de respect d'un cadre commun. C'est, deuxièmement, une question de crédibilité économique pour éviter le surendettement, comme dans un ménage. Et troisièmement, c'est aussi une question de crédibilité politique, parce qu'un pays qui respecte ses règles, qui respecte ses engagements, est plus respecté par ses partenaires. Et s'agissant notamment de la France et de l'Allemagne, il est très clair que ce que l'Allemagne attend de nous, c'est que nous soyons un pays fiable. Alors, je dis tout de suite, il y a une règle qui n'est plus respectée par personne, c'est la règle de la dette. Même l'Allemagne est au-dessus de 60%. Et à cause de la crise financière et des coûts qu'elle a engendrés, nos économies ont pris 30 points de dette. C'est-à-dire que la moyenne de la zone euro est aujourd'hui à 89%. Mais au-delà de 90%, on entre dans des territoires où vraiment la charge de la dette commence à peser sur les marges de manœuvre budgétaire. La France, par exemple, tangente les 100% de dette publique. L'Italie est au-delà de 130%. Et la Grèce, qui a été mentionnée, est au-delà de 180% de dette publique. Évidemment, quand un pays est trop endetté, il est pieds et poings liés. Conclusion, je pense en effet que le respect de ces règles est une question de bon sens, que tout simplement, ça nous rend des marges de manœuvre pour financer nos services publics et notre expansion économique, et que ça permet d'agir ensemble. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne, et ça c'est mon job à la Commission justement, je suis commissaire chargé des affaires économiques et financières, eh bien de faire respecter les règles. Simplement, contrairement à une certaine légende, nous le faisons avec une certaine intelligence, avec une certaine flexibilité, avec une certaine souplesse. Et je vais prendre deux exemples. Le cas d'abord de la France, qui a un déficit supérieur à 3% depuis des années et qui a bénéficié de deux fois deux ans de délai pour revenir sous 3% par rapport à ce qui était initialement prévu. J'en sais quelque chose, puisque la première fois, j'étais ministre des Finances. La deuxième fois, j'étais commissaire chargé de l'économie et des finances. Et si on l'a fait, c'est parce qu'on estimait, en effet, qu'aller plus vite risquait de poser des problèmes structurels à l'économie française et de la vulnérabiliser. Et le deuxième exemple, c'est celui de l'Espagne, qui continue d'avoir des déficits supérieurs à 4%, à qui on n'a pas imposé de les réduire trop vite, dans la mesure où le pays a aujourd'hui un taux de chômage de 20% et s'est trouvé dans une situation de crise avec une perte de PIB. Le cas de la Grèce est un cas tout à fait spécifique, parce que la Grèce n'est pas dans le respect des règles. C'est ce qu'on appelle un pays sous programme. La Grèce a connu une quasi-faillite de ses comptes publics, qui a entraîné ensuite des ajustements nécessaires pour faire en sorte que les finances publiques grecques soient un peu plus d'équerre, mais elles bénéficient pour ça d'un programme d'aide financière. La question, c'est de l'aider à la faire sortir de cela. C'est ce à quoi aussi je m'emploie comme commissaire, même si aujourd'hui je suis en train de manquer une réunion à Bruxelles pour être parmi vous, ce que j'avais prévu depuis longtemps. Mais bon, j'essaie quand même de rester connecté. Eh bien, merci. Merci d'être là. Donc, Camille, Clément et moi, on va vous passer le micro. Tout à l'heure, je vous avais demandé qui était pas sûr que l'euro soit un moteur. J'ai vu une main se lever par là. Je vous propose qu'on prenne, puisque vous êtes en très grande infériorité numérique, une première question qui vient de vous avant de la repasser ailleurs. C'était vous, monsieur. Merci beaucoup, Clément. Monsieur le commissaire, on a une question pour vous. Bonjour, monsieur. C'est une question qu'on nous a posée un jour en économie et qui, depuis, est restée sans réponse pour moi et que j'ai continué à réfléchir à mon coin, mais je n'ai pas trouvé de solution. Donc, je la pose à vous. C'est mon professeur qui nous a dit un jour, comment un pays qui exporte des Porsche peut-il partager la même monnaie qu'un pays qui exporte de la Feta? Bon, c'est un peu caricatural, mais dans l'idée était posée et j'ai essayé d'étudier un peu la question, mais je suis encore à la recherche de réponses et je me suis dit comment, avec de telles différences, on peut arriver à une convergence, ne serait-ce que monétaire déjà. Voilà, c'est ma question. À vous.
Je respecte profondément votre professeur d'économie, mais je veux dire quelque chose d'iconoclaste. Je ne vois pas pourquoi un pays qui exporte des Porsche n'aurait pas la même monnaie qu'un pays qui exporte de la feta. Et en France, on exporte des Peugeot et du Roquefort. Donc, si vous voulez, l'argument ne me paraît pas extrêmement pertinent, avec tout le respect que je lui dois. Mais derrière ça, il y a une question sérieuse, qui est celle de ce que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire la divergence entre les économies. Le sentiment qu'en effet, les plus forts deviennent encore plus forts et les plus faibles deviennent plus faibles. C'est une des raisons pour lesquelles il faut des règles communes et c'est une des raisons et la raison pour laquelle nous avons besoin maintenant d'ajouter à la monnaie unique qui, en réalité, profite aux Grecs. Parce que si les Grecs n'avaient pas l'euro, ils auraient des taux d'intérêt totalement hors de proportion, ils seraient en vérité en faillite et c'est la population entière qui aurait perdu la totalité de son patrimoine. Je vais vous poser une question, parce qu'elle me semble de bon sens. Voilà un pays qui souffre de la crise de manière terrible. J'en sais quelque chose. J'y travaille à peu près à 10% de mon temps depuis 5 ans, et je serai encore à Athènes mercredi. Un pays qui a perdu 27% de son PIB dans la crise. Un pays qui doit mener du coup une politique dure, qui mène des réformes difficiles, réforme des retraites, réforme du marché du travail, réforme du marché de l'énergie, privatisation. Et vous pourriez penser que ce pays, de manière tout à fait naturelle, se dirait, s'il suivait ce raisonnement, quittons cette zone euro, c'est un carcan. 75% des Grecs sont favorables à l'euro. C'est-à-dire que eux, qui exportent de la feta et qui ont cette dette, savent que leur intérêt est d'y rester. Ce n'est pas à nous de leur dire d'en sortir. Certains le veulent. J'ai vu hier un président d'un parti allemand, le Parti libéral, qui est un parti de droite, dire « je souhaite que la Grèce sorte de l'euro ». Ah, ça devrait quand même, je pense, faire-t-il quelque part chez vous. Si ceux qui exportent de la feta ont envie de rester, et si ceux qui exportent des Porsche ont envie qu'ils partent, c'est que c'est peut-être un peu plus compliqué que l'a dit votre professeur. Mais, encore une fois, il faut fabriquer de la convergence. C'est pour ça que, moi, je souhaite vraiment qu'on ajoute maintenant des programmes favorable à la croissance, favorable à l'emploi, et qu'on soit capable, en effet, d'avoir une économie plus dynamique dans la zone euro. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la Commission européenne a mis en place ce qu'on appelle le plan Juncker, c'est-à-dire un plan d'investissement de 315 milliards d'euros pour permettre à nos économies d'être plus fortes, qu'elles produisent des Porsche ou de la Feta. Mais pour ça, on aura besoin de solidarité. Et là, en effet, il faut que les producteurs de Porsche soient plus solidaires avec les producteurs de Feta qu'ils ne le sont jusqu'à aujourd'hui. Je file cette métaphore jusque-là et je l'arrête. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a, évidemment, la parole est toujours à vous. Qui a envie de prolonger cet échange? Camille, Clément, je vous laisse oui. Choisir, discuter autour de vous. On essaye de varier. Je vous ai vu, monsieur. Allez. On essaye de varier. Qui? Alors oui, ici, une toute petite règle du jeu. Alors, vous dites absolument ce que vous voulez. Question, une critique, un avis. Seules trois petites règles. Plus vous faites court, vous aussi, plus on peut prendre de questions. Donc je vais m'arrêter de parler très très vite. et également, ce serait bien de vous présenter. Et puis, je ne pense pas que vous puissiez être agressif. Je vais m'épargner cette petite règle. En revanche, faites court. Et si vous voulez bien juste donner votre prénom en commençant, c'est plus sympa pour l'échange. Monsieur, désolé, c'est à vous, j'arrête de parler. Pas de problème. Bonjour, du coup, je m'appelle Arnaud, je suis un étudiant à Sciences Po Grenoble et j'aurais une question à propos du coup de l'emploi et de la croissance et qui rejoint la question de la politique monétaire. J'ai cru remarquer une sorte d'évolution et un peu de revirement dans votre parcours. Il y a eu cette période où vous étiez ministre sous François Hollande et j'ai cru comprendre qu'il fallait renégocier les traités, qu'il fallait avoir des politiques monétaires plus accommodantes, pour favoriser justement l'emploi et la croissance. Et après, vous êtes devenu commissaire européen, et à partir de ce moment-là, j'ai cru comprendre que c'était finalement bon d'avoir une monnaie forte, que le but final était d'avoir peu d'inflation et une stabilité. Du coup, les deux positions sont défendables, je comprendrais les deux positions, mais voilà, pour l'emploi et la croissance, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il faut privilégier ? Question de non, non, je suis confus de vous démentir. Il y avait dans le temps
un dessinateur qui est toujours à la une du monde, qui s'appelle Plantu, qui faisait, il y avait un Mitterrand 1, un Mitterrand 2. Il n'y a pas un Moscou 1 et un Moscou 2. Hein. Je reste le même et j'ai mené la même politique. Et j'étais précisément, je crois, le ministre le plus européen du premier gouvernement de François Hollande. J'ai fait en sorte que nos déficits baissent de 5 à 4% en deux ans. Ils ont baissé un peu moins depuis, puisqu'ils sont rebaissés de 0,8 points depuis. J'ai toujours été favorable à l'euro. J'ai été favorable à ce qu'on mène une politique de solidarité avec la Grèce. Et je suis un europhile convaincu dans tous les sens du terme. Donc non, là, vous vous trompez de personne. Et je pense que c'est en réalité la continuation de la même conviction, de la même politique aussi, sous d'autres formes. Et d'ailleurs, si je suis devenu commissaire européen, c'est bien parce que j'avais cet engagement, je vous assure, je n'ai pas tourné kazakh. Mais j'ai envie de vous poser une question. Où voulez-vous en venir ? Ça marche dans ce sens aussi, c'est vrai. Oui, c'est, à part souligner une éventuelle contradiction qui n'existe pas, j'imagine que derrière, il y a bien une idée. Donc on va lui faire passer le micro. C'est intéressant, cette mécanique inversée. À vous, au grand oral. Non, du coup, bah voilà, mon idée, c'était de savoir véritablement quelle politique monétaire il faut privilégier et quel est le rôle de la BCE aujourd'hui que doit avoir dans l'euro. Est-ce que c'est une politique monétaire expansionniste ou alors plutôt restrictive en privilégiant un euro fort ? Alors là, je vais vous dire, d'abord, la politique monétaire n'a rien à voir ni avec le ministre des Finances de la France, ni avec le commissaire européen chargé des affaires économiques et financières. Elle a tout à voir avec la Banque Centrale Européenne. Et je suis vraiment un fervent soutien de la politique monétaire menée par M. Draghi, qui précisément a choisi une politique qui injecte dans des liquidités pour soutenir l'économie. Et nous avons besoin de cette politique-là. C'est une politique qui nous a permis d'avoir des taux d'intérêt faibles, voire négatifs. C'est une politique qui a tout simplement sauvé l'euro. Je n'ai jamais été partisan d'une politique dite de l'euro fort et j'ai toujours été partisan d'un euro ou d'une politique monétaire qui à la fois permet de lutter contre l'inflation mais qui permet aussi de lutter contre la déflation. Et la situation dans laquelle on s'est trouvé il y a peu de temps n'était précisément pas une situation d'inflation forte, c'est une situation d'inflation insuffisante. Quand on a une inflation à 0%, on doit avoir une politique qui est plus expansionniste et durablement. C'est ce que fait la BCE, elle a raison. Je suis tout à fait en train de partager avec elle l'objectif de remonter vers une inflation à 2%. Nous n'y sommes pas, même si elle a tendance maintenant à réaugmenter un peu, mais pas pour des facteurs essentiels, essentiellement du fait de la hausse des prix du pétrole. Donc, et là, de 2012 à 2017, je vous assure, je n'ai pas changé d'un iota. Monsieur Draghi reste le très bon président, le meilleur président possible pour la BCE. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous avez repéré, Camille ou Clément, quelqu'un ? Monsieur, c'est à vous. Alors, bonjour, moi je m'appelle Alexis, je suis également étudiant en Sciences Po. Vous pensez un peu à la parité ? Bon, ça arrivera. Oui, c'est vrai, ça. Et n'hésitez pas, Camille, Clément, à discuter avec les gens avant et de les préparer mais pour vous, la question. Mais vous êtes bienvenus. Hein. Ok. Donc oui, étudiant en Sciences Po Grenoble en master gouvernance européenne, donc vous prêchez un convaincu. Non, moi j'avais une question concernant la parité de l'euro et du dollar, puisqu'on se dirige vers 1 euro égale 1 dollar. Est-ce que vous pensez que c'est une perspective qui favoriserait la croissance tout simplement au sein de l'Union européenne, plus particulièrement dans la zone euro, étant donné les divergences en matière de compétitivité prix hors prix de tous les États membres ? Là encore, la politique de change n'est pas l'apanage des gouvernements. Nous n'avons pas la conséquence des politiques monétaires menées, mais il est clair qu'un euro surévalué pénalise nos exportations et est plutôt défavorable à nos industries, et qu'un euro justement évalué, je ne dis pas sous-évalué, parce que je ne suis pas non plus pour les dévaluations compétitives, est de nature à être plutôt plus favorable à notre croissance. En réalité, ce qu'il faut trouver, c'est la bonne jauge, et cette bonne jauge, elle est fonction précisément des politiques monétaires menées d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Je pense que nous vivons mieux quand même avec un euro dont la surévaluation n'est pas la caractéristique. Merci beaucoup. Camille, Clément, est-ce qu'on fait monter la parité ? J'ai pas l'impression. Après, on va demander à Radio Campus comment vous réagissez sur Twitter, ici ou à l'extérieur.
Oui, moi j'ai une question plutôt simple, mais parce que on comprend que l'Europe c'est le territoire de la connaissance. Donc, en tant que commissaire européen, j'aurais une question très simple. Comment vous pensez développer la connaissance culturelle, qui est le plus important, auquel on souhaite que tous les Européens, que l'ensemble des citoyens européens soient porteurs de cette connaissance-là? Donc, comment vous pensez aller vers permettre l'acquisition de la connaissance culturelle pour le plus grand nombre? Voilà. C'est quoi votre prénom? Yann Ribé. Bonjour Yann. On peut entendre ça de plusieurs façons. Il y a d'abord la connaissance sur l'Europe elle-même. C'est le sens de ma visite aujourd'hui à Grenoble. Et je pense qu'il y a une chose qu'il faut percevoir par-delà la monnaie. Vous avez choisi de parler de l'euro. C'est un bon sujet. Mais c'est loin d'être le seul. Et dans la période où nous vivons, avec le défi que représente Donald Trump, un président très agressif à l'égard de l'Europe, et très agressif à l'égard des droits de la personne humaine en général, avec le défi du Brexit, avec la menace de Poutine, il y a une question centrale qui est pourquoi faisons-nous l'Europe? Et moi, j'ai envie de répondre, nous la faisons pour des valeurs. Je suis un Européen, et avant d'être un Français, ou en même temps que je suis un Français, en même temps, en vérité, parce qu'il n'y a pas de contradiction, c'est la même chose. Et je suis très fier d'habiter un continent, de vivre sur ce continent, où la peine de mort est prohibée, où l'avortement est autorisé, où la femme est l'égale de l'homme, où il n'y a pas de discrimination en fonction de l'origine, en fonction des préférences sexuelles, où on lutte de manière active contre ces discriminations, où existe un modèle de protection sociale qui est puissant, où il y a un modèle éducatif qui est également tout à fait soutenu par les pouvoirs publics. Et donc, je pense que la première éducation à faire, c'est l'éducation sur ce qu'est l'Europe, et ça part sans doute de la monnaie, mais d'abord de nos valeurs partagées. Après, il y a une autre question sur la connaissance, c'est comment diffuse-t-on l'économie de la connaissance? Il se trouve que j'ai passé la journée avant de venir ici, dans des entreprises, ce matin une petite entreprise qui avait un projet d'automobile à l'hydrogène, cet après-midi dans une très grande entreprise, ST Microélectronique, qui est un leader mondial dans la microélectronique. Et puis, au milieu, j'ai été voir un pépinière d'entreprise, Biopolis, qui présente des innovations, qui sont des innovations dans le domaine médical, très impressionnantes, parce que Grenoble, c'est la cinquième agglomération du monde en termes d'attractivité par et pour l'innovation. Donc c'est très spectaculaire. Et à chaque fois, on me disait, c'est grâce à l'Europe, c'est par l'Europe, c'est avec l'Europe. Et c'était très concret, parce qu'il s'agissait en réalité de financement, de projets, de programmes. Pensez que sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, il y a 3,2 milliards d'euros de crédits qui sont déversés entre 2014 et 2020, sans compter tout ce qui provient de la Banque européenne d'investissement, qui avait, par exemple, fait un prêt de 350 millions d'euros à ST Microélectronique en 2010. Enfin, il y a le troisième sens de votre question, c'est la connaissance au sens de la culture. Alors là, avouons-le, il faut aussi tout de même que les États jouent leur rôle. L'Europe n'a pas toutes les compétences et sa compétence culturelle est une compétence, disons, réduite, comme sa compétence éducative. Même si, bien sûr, je suis très attaché au programme d'échange d'étudiants comme Erasmus, qui fête ses 30 ans, et je souhaite d'ailleurs qu'il s'étende à tous les étudiants, et pas seulement aux étudiants, aussi aux apprentis. Je suis favorable, c'est ce que j'écris dans ce bouquin, à un Erasmus pro, à côté de l'Erasmus que vous connaissez, et dont j'imagine un certain nombre d'entre vous ont bénéficié ou vont bénéficier. Merci. Il nous reste encore une heure d'échange entre nous. Je vous propose d'aller faire un tour sur Twitter, Radio Campus Grenoble. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se passe? Et avez-vous une question pour M. Moscovici? Oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Oui, il y a eu donc quelques dizaines de tweets dans cette première partie sur l'emploi et la croissance, majoritairement des personnes qui reprenaient les déclarations de Pierre Moscovici, donc sur le fait que vous êtes un europhile, défenseur de la Grèce, que vous pensez que l'endettement est la dépense la plus stupide qui existe. Et il y a eu deux questions qui sont plus ou moins directement liées au thème, mais qui ont le mérite d'exister. Donc on en a choisi une du compte Twitter GDela qui demande « Est-ce qu'une gouvernance globale de l'Union européenne veut forcément dire un nouveau traité ?» Ça, c'est une excellente question, très compliquée.
Ok. Je vais répondre très simplement. D'abord, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à traité constant. Je vais prendre un exemple. Moi, je propose qu'il y ait un ministre des Finances de la zone euro, que mon successeur soit le ministre des Finances de la zone euro. Ça, c'est une chose qu'on peut faire sans changement de traité. Je propose qu'on crée un budget de la zone euro qui permette justement d'investir et de protéger contre le chômage. Je pense qu'on peut le faire aussi sans traité. Je propose qu'on crée une responsabilité de ce ministre devant le Parlement européen. Bon, là, ça se discute. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à traité constant, mais on ne peut pas tout faire sans réformer les traités. Et donc, je crois qu'en effet, à un moment donné, il faudra une modification des traités. Le problème que ça pose, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, il faut le reconnaître, il n'y a pas d'appétit pour la modification des traités. Chaque fois qu'on en propose un, chaque fois qu'arrive un référendum, la réponse est plutôt non. Et les Français eux-mêmes ont donné le « là » en 2005, quand ils ont voté « non » au traité constitutionnel européen. Donc, je privilégie plutôt, dans cette période, les évolutions pragmatiques, en pensant, comme pensait Jean Monnet au début, que c'est par la preuve, par la réussite, par l'efficacité, qu'ensuite, on donne l'envie de faire des sauts politiques plus importants. Mais oui, je pense que nous aurons besoin de nouveaux traités dans l'avenir, et que prétendre que nous sommes arrivés au bout de l'histoire n'aurait pas de sens si on s'arrête. Alors à ce moment-là, on va connaître des limites. Et nous y sommes. Bien, je vous propose de rester pour l'instant autour de cette question de l'euro avec la deuxième question qui était celle de l'avenir de l'euro. Alors, n'hésitez pas à poser aussi toutes vos questions. Oui, je crois que Camille a un micro là. Nous avons une question en rapport, justement, c'est une question relative à la croissance. Très bien, Camille. Allons-y et on raccourcira donc les séquences suivantes. Bonsoir, c'est sur la croissance et puis sur l'avenir de la zone euro, donc ça peut faire transition. Super, merci beaucoup. Voilà, donc avec ma camarade, on n'a pas répondu à la question au début, l'euro frein ou moteur de la croissance, parce qu'en fait, nous on pense que, et on vous pose la question, que la croissance n'est pas une fin en soi, et que justement, si la croissance elle stagne depuis des années dans l'Union européenne et même maintenant des décennies, et qu'on a beaucoup de dettes, c'est justement dû au fait qu'il y a moins de croissance et qu'on était basé sur un système de forte croissance qui faisait qu'on avait assez pour financer les services publics et que maintenant, on n'a plus assez, donc on s'endette sur les marchés privés. Est-ce que justement, ce n'est pas le moment de changer de ce système qui est basé sur la croissance alors qu'on n'arrive plus à avoir des taux forts de croissance, parce qu'au bout d'un moment, la productivité, elle est, pour nous, elle n'est pas indéfiniment, elle se développe pas indéfiniment. Merci. Ça, c'est une grande question qui, elle aussi, va être présente dans l'élection présidentielle. Non pas celle de la décroissance, mais celle de la fin de la croissance. Et d'une certaine façon aussi, de ce qui peut l'accompagner, c'est-à-dire la fin du travail, notamment du travail salarié. Quand quelqu'un que je connais bien, puisque je suis candidat d'un parti auquel j'appartiens, je suis socialiste, Benoît Hamon, propose l'euro universel, c'est aussi de ça dont il parle. Je dois vous avouer que je ne suis pas entièrement convaincu. Je ne parle pas de sa candidature, je parle de cette idée. Parce que j'ai beau réfléchir, j'ai été pendant 20 ans élu local, j'ai été président d'une agglomération, j'ai été député européen. Et dans l'agglomération dont j'étais le président, c'était dans l'est de la France, à Montbéliard, Sochaux si vous préférez, l'industrie automobile, il y avait des dégâts de la crise absolument considérables. Il y avait 40 000 employés à l'usine PSA de Sochaux. En 1980, il y en a aujourd'hui 10 000. Et je ne sais pas comment on répond à ça sans croissance. Alors, ce que je crois, c'est que ça n'est plus la croissance d'hier. On doit réfléchir à une croissance qui soit une croissance durable, une croissance qui soit respectueuse de l'environnement et de la nature, à une éco-croissance. Je pense aussi qu'on doit réfléchir à une croissance inclusive, c'est-à-dire celle qui prend en compte la question des inégalités. Mais je ne vois pas comment on s'en sort sans croissance. D'ailleurs, la croissance de l'économie mondiale est nettement supérieure à la croissance aujourd'hui de l'Union européenne. C'est à peu près 3,3 contre 1,6, 1,7, donc à peu près le double. Et je pense qu'on a encore un potentiel de croissance en Europe qu'on peut élever. Et on peut l'élever précisément par l'innovation, par la connaissance, par la recherche, par le développement, par la création d'emplois nouveaux, par l'élévation du niveau de formation. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit se tourner. Et la politique économique de demain, elle doit être avant tout une politique tournée vers le capital humain. Alors, après euro, frein ou moteur pour la croissance, j'ai envie de dire en soi, ni l'un ni l'autre.
Et je souhaite simplement que nous soyons capables de mettre, comme disait jadis une compagnie pétrolière, un tigre dans ce moteur. Et ce tigre, ça s'appelle une politique, tout simplement. Jacques Delors disait « l'euro protège mais ne dynamise pas ». On a construit l'euro à moitié, il y a 25 ans ou il y a 15 ans. Maintenant, on a absolument besoin de l'autre moitié. Parce que sinon, si l'euro est assimilé soit à la divergence des économies, soit à la croissance faible, à un moment donné, vous ne serez plus là en train de tous lever le doigt en disant que c'est formidable, parce qu'on ne tombe pas amoureux d'une stabilité. Il faut un peu d'excitation aussi, et un peu de fun, et surtout un peu plus de résultats. Donc je pense qu'il faut vraiment que sur la croissance, on fasse mieux. Voyons si on a du fun dans le deuxième petit micro-trottoir qu'on est allé faire, que J'aime en débat est allé faire, sur l'avenir de la zone euro. Non, je pense qu'il ne faut pas sortir de l'euro parce que ça permet d'avoir une monnaie forte et de peser sur la scène internationale et notamment de concurrencer le dollar. Oh non, clairement pas. Non, il ne faut surtout pas sortir de l'euro, surtout pour la France parce que l'euro, c'est une monnaie forte, donc c'est très bon pour les importations. Et puis comme structurellement, la France est assez bonne en termes d'exportation, ça ne la pénalise pas plus que ça. Donc non, je pense que l'euro, c'est une bonne chose et en particulier pour un pays comme la France ou l'Allemagne, enfin. Je pense pas, parce que sinon on pourrait faire comme les Anglais, c'est-à-dire ça nécessite d'aller chercher d'autres partenariats ailleurs, comme au Moyen-Orient, comme ils le font en ce moment avec la Turquie, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pour moi, il faut pas sortir de l'euro, parce que par exemple, quand on voyage, eh ben, ça permet d'avoir une monnaie internationale, et donc de pas échanger notre argent, et de dépenser dans d'autres pays. Oui et non. C'est-à-dire que la France se débrouille bien toute seule. Après, c'est chouette de pouvoir aider les autres pays de l'Europe pour faire un groupe Europe qui peut concurrencer les grandes nations. Mais sinon, on a quand même bien vu l'augmentation entre le franc et l'euro. Oui et non, c'est le plus mesuré. Peut-être que Clément, tu as une question plus directe. Oui, alors j'ai une petite question. Alors déjà, dans ce micro-trottoir, on voit des avis plutôt favorables, mais vous en avez parlé dans votre propos préliminaire. On a vu le Brexit, où personne s'y attendait, l'élection de Donald Trump, qui était à la base un outsider, en imaginant dans un scénario qui reste malgré tout réaliste, l'élection de Marine Le Pen. Quelle est votre vision à vous pour l'avenir de la zone euro ? Dans l'hypothèse de l'élection de Marine Le Pen ? Bah, du coup, oui, puisque c'est dans la continuité, on va dire, d'événements qui paraissaient inattendus et qui pourtant sont arrivés. Alors, c'est pas parce qu'un événement est inattendu qu'il doit se reproduire vraiment partout. Et par ailleurs, il y a quelques causes britanniques au Brexit et quelques causes américaines à Donald Trump. Et il y a quelques différences avec Marine Le Pen. Alors, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus. Mais somme toute, je pense que si les responsables politiques et les médias britanniques avaient parlé de manière un peu plus effective de l'Europe au cours des 40 dernières années, au lieu d'expliquer, par exemple, que l'Europe légiférait sur la courbure des bananes ou obligeait les chauffeurs de poids lourds à manger du muesli, eh bien, les choses auraient été un peu différentes. Et c'est vrai que c'est un pays qui avait été biberonné quand même à l'euroscepticisme depuis 40 ans et qui n'est pas un pays membre de la zone euro, n'est pas un pays membre de Schengen, nous demandait une contribution budgétaire, c'est donc assez spécial. Mais enfin, moi, je n'ai pas été surpris par le Brexit. Je me souviens d'avoir expliqué à l'ancien ministre des Finances, George Osborne, quand j'étais moi-même ministre des Finances, vous ne faites pas de référendum, car vous avez un très grand risque que la réponse soit non. Pour ce qui est des États-Unis, il y a une différence entre Mme Le Pen et Donald Trump, il y en a plusieurs. La première d'entre elles étant que Donald Trump était le candidat, bon gré mal gré, qu'on l'aime ou pas, ce n'est pas pour lui que j'aurais voté si j'étais américain, du parti républicain, qui est le parti majoritaire. Alors après, il y a des facteurs communs, y compris à la montée de Marine Le Pen. Je dirais, c'est le fait que la mondialisation des échanges, si elle fait des gagnants, et vous ici, c'est pas très surprenant honnêtement que dans une école de management, on soit très favorable à l'ouverture, parce qu'on se sent soi-même potentiellement un gagnant, elle fait aussi des perdants. Dans la circonscription où j'étais l'élu à Montbéliard, quand j'ai quitté pour devenir commissaire européen, il y a eu une élection, le Front National a fait 49%. Au régional suivant, il a fait 42%, et moi, j'avais fait 42% aux élections législatives en 2012. C'est les mêmes électeurs. L'ouvrier de Sochaux, qui a voté pendant très longtemps à gauche, il est tenté par le vote Front National. Donc il faut entendre le message quand même. Après,
Je ne pense pas que Marine Le Pen sera élue présidente de la République. Ce n'est pas une parole imprudente de plus. C'est simplement l'observation quand même de toutes les élections qui ont eu lieu dans le pays depuis très longtemps, aux élections régionales, aux élections municipales, aux élections départementales. Il y a eu des communes, il y a eu des scores, mais il n'y a pas eu, par exemple, de région gagnée par Marine Le Pen, même celle où elle était candidate elle-même. Donc je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui 50% de Français pour voter pour elle dans un deuxième tour de présidentiel. Nous sommes protégés en quelque sorte par le mode de scrutin. Cela dit, elle peut faire un très fort score au premier tour, elle peut faire un très fort score au deuxième tour, et elle peut réaliser une étape de plus dans la prise du pouvoir. Ça m'inquiète en soi beaucoup. Voilà pour le fait lui-même. Après, sur le fond, je pense que ce que propose Mme Le Pen est un crime contre la raison, et masochiste pour la France, voire limite suicidaire. Je m'explique. Sortir de l'Europe, parce que ce n'est pas seulement de l'euro qu'elle veut sortir, c'est dans un univers où vous avez des États-Unis qui veulent affaiblir l'Europe et la diviser, une Russie qui veut affaiblir l'Europe et la diviser, la Grande-Bretagne qui s'en va, c'est se ramener à une petite dimension dans un monde qui a besoin de grands ensembles unis. C'est tourner le dos à nos valeurs. Et c'est surtout tourner le dos à nos intérêts. Parce que si en plus nous sortons de l'euro, nous allons retrouver l'inflation, nous allons retrouver des taux d'intérêt élevés, nous allons perdre du pouvoir d'achat, nous allons dévaloriser nos patrimoines. Et donc au final, on se retrouve avec une France qui ne pèse plus rien ou plus grand-chose et qui voit ses problèmes sociaux s'aggraver de manière considérable et qui de surcroît, sur la scène internationale, devient un poids léger. Et donc, sortir de l'Europe et sortir de l'euro, comme le propose Mme Le Pen, pour moi, c'est tout simplement une absurdité. Et à mon avis, en faisant ça, elle fait un calcul qui est à la fois habile et stupide. Il est habile parce qu'elle s'adresse aux 32% qui sont contre l'euro, et elle dit, voilà, c'est mes électeurs de premier tour, et puis au deuxième, j'en trouverai d'autres sur d'autres thématiques. Mais il est stupide parce qu'ils ne sont que 32%. Et les Français ne se laisseront pas prendre à ce piège contre la raison. Je suis donc extrêmement combatif là-dessus. Je ne suis plus un homme politique engagé dans la bataille quotidienne de la politique parce que voilà, j'ai un devoir de réserve, d'indépendance. Mais j'appartiens à une commission qui est une commission qui se définit comme antipopuliste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être populaire, mais il faut ne pas être populiste, c'est-à-dire ne pas nourrir le peuple de craques, de salades, de mensonges, jouer sur les craintes, les angoisses, les peurs. Regardez les Américains qui ont voté pour Donald Trump. Que trouvent-ils ? A-t-on envie d'avoir ça en France ? Moi, pas. Et donc, c'est une bonne raison pour faire en sorte de combattre le Front National. Aussi poli, maintenant, paraît-il, je pense qu'il reste un parti d'extrême droite tout à fait menaçant. Camille, tu as une question là-haut ? Oui, j'en vois aussi, je vois deux personnes là. Ce que je vous propose sur cette séquence, on va prendre deux questions d'affilée, puis on retourne sur Twitter et on va passer à la question sur les monnaies locales, parce que le temps file. Bonjour, Bonjour. Je m'appelle Angèle et j'avais une question concernant l'avenir de l'Europe et de l'euro. Est-ce que face aux divergences aujourd'hui qu'on constate dans la zone euro, vous pensez qu'il est souhaitable et même réalisable d'aller vers du plus long terme, vers un fédéralisme et de construire une Europe fédérale avec un véritable gouvernement, une politique budgétaire et monétaire en cohérence pour construire un bloc beaucoup plus fort sur la scène internationale ? Europe fédérale plus ? Alors, Olivier, je suis étudiant à l'IAE Grenoble. Alors, ma question, elle rejoint un peu la première question, du coup. C'est l'idée que je reste convaincu que l'euro permet de faire bloc face aux grandes économies et à faire bloc dans l'économie mondialisée. Après, je pense par contre, là où le bas blesse, c'est que finalement, on est dans un marché ouvert avec une monnaie commune, mais on a des fiscalités complètement différentes selon les pays et on a une concurrence très forte qui est faite sur ce terrain-là, sur le terrain de la fiscalité. Et donc, du coup, ma question, c'est de savoir, vous, en tant que commissaire européen également à la fiscalité, est-ce qu'un jour, on pourra voir une harmonisation de la fiscalité en Europe et donc du coup une réelle politique une réelle politique fiscale européenne. Pour ce qui est du fédéralisme, Henri Oberdorf rappelait que j'avais été
président du mouvement européen France. Le mouvement européen, c'est le mouvement fédéraliste français. Et donc, oui, je reste quelqu'un d'attaché à cette idée. Victor Hugo parlait d'États-Unis d'Europe, d'une Europe avec un gouvernement, avec un parlement, avec un budget. Mais en même temps, je dois dire que je suis un fédéralisme, non pas douché, mais raisonné. Après notamment l'échec du référendum en France en 2005, et aussi compte tenu du fait que nous sommes maintenant 28 pays de l'Union européenne avec des hétérogénéités très fortes, et pas seulement des hétérogénéités économiques, aussi des hétérogénéités culturelles et politiques. Regardez ce qui se passe en Pologne, regardez ce qui se passe en Hongrie. En Pologne, on a des atteintes à l'état de droit. Et donc, je suis, moi, dans l'idée qu'il... En fait, l'Europe est ce que Jacques Delors appelle une fédération d'États-nations. Il y a des éléments fédéraux, la Banque Centrale Européenne, c'est fédéral, la Commission et le Parlement Européen, c'est plutôt d'essence fédérale. Il y a aussi le rôle des nations et des États, il faut le respecter. Je pense que vraiment c'est une aspiration aujourd'hui très forte de nos concitoyens et que le fédéralisme naïf ne percute plus, ne convainc plus. Il faut simplement mettre en commun des souverainetés pour permettre à des politiques des plus efficaces. C'est pour ça que, par exemple, je plaide pour un budget de la zone euro, qui serait l'ébauche de ce budget européen que j'appelle de mes voeux, tout simplement, parce qu'il permettrait de mettre une politique de croissance plus efficace en œuvre. Pour ce qui est de la fiscalité, nous butons sur un obstacle qui est un obstacle massif, qui est que, à l'origine du traité de Rome, les parties traitantes avaient dit que la fiscalité était un domaine où c'est l'unanimité qui préside à la décision. Et quand vous êtes comme moi commissaire à la fiscalité, vous constatez que mettre d'accord 28 États différents sur des concessions en matière de souveraineté fiscale, c'est quasi surhumain. Voilà la raison pour laquelle j'ai envie de vous répondre oui à l'harmonisation fiscale, mais ce serait mensonger que de le laisser prétendre. C'est aux États de le décider. Mais je veux quand même donner deux bémols optimistes. Le premier, c'est que depuis quelques années, on fait des progrès considérables dans la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. En Europe, il n'y a plus de secret bancaire aujourd'hui. En Europe, il y a un échange automatique d'informations sur ce qu'on appelle les rescrits fiscaux, c'est-à-dire les prévisions d'impôts sur les sociétés des entreprises. En Europe, avec ma collègue Vestager, nous faisons en sorte que les multinationales payent leurs impôts là où elles créent des profits. En Europe, on a mis en place une directive de lutte contre l'évasion fiscale. Et je suis en train de préparer la première liste noire européenne de paradis fiscaux avec des sanctions communes. Ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Nous sommes en train de faire vraiment des pas de géant en matière de transparence. Et ça, je pense que c'est aussi un élément qui évite des concurrences dommageables. Enfin, deuxième chose, il faut aussi proposer des réformes qui sont plus structurelles et unifiantes. C'est ce que je fais en proposant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Ça concerne les entreprises multinationales, celles qui ont un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros, mais ça peut aussi concerner les autres, celles qui souhaitent le faire de manière volontaire. Une assiette commune, c'est que dans tous les pays, la base taxable soit la même, et consolidée, ça veut dire qu'on est capable de reconstituer l'activité d'un groupe à l'échelle européenne pour appliquer des taux qui sont des taux partagés en fonction de la localisation des activités dans les différents pays. C'est une réforme ambitieuse. J'avoue que je crois qu'il est compliqué de la faire adopter, mais j'y mettrai mon énergie. Je serais très fier si on pouvait y arriver d'ici à la fin du mandat de cette commission, novembre 2019. C'est la tâche que je m'assigne. Radio Campus Grenoble avait aussi un tweet sur la question de l'harmonisation fiscale. Vous savez quoi ? On va le garder sous le coude et on va passer à la question de Pascal Clouer, qui est l'adjoint notamment aux questions européennes à la ville de Grenoble, mais aussi au petit commerce, mais aussi à la démocratie locale. Il y avait une question qui l'intéressait spécifiquement. Vous allez voir, c'est une question directe. Ben, on vous écoute, Monsieur Clouer, même si il est là. En complément de l'euro, les monnaies locales séduisent de plus en plus. La France a vu émerger une quarantaine de monnaies locales pour avoir le choix pour payer son boulanger, son plombier, son pharmacien. Et depuis la crise de 2008, ces monnaies constituent une affirmation d'un lien avec un territoire puisqu'elles favorisent des circuits d'économie, des circuits de réseaux de proximité.
Deuxièmement, elles servent l'économie réelle puisqu'elles ne rentrent pas dans des boucles spéculatives, dans des boucles de financiarisation. Et enfin, elles créent une valeur humaine et sociale. Bref, elles dynamisent le territoire. Au contraire, l'euro est devenu une monnaie au caractère spéculatif affirmé, pour reprendre l'expression de Patrick Vivret, et qui cause de fortes régressions sociales. Et que l'usage de la monnaie locale en réaction est une façon de se réapproprier la monnaie comme un commun. Lorsqu'on rencontre des députés européens et que l'on discute monnaie locale complémentaire, on sent chez certains comme une méfiance liée à une interprétation que la monnaie locale fragiliserait le processus européen par rapport à l'euro. Ma question est la suivante. Monsieur Pierre Moscovici, selon vous, la monnaie locale complémentaire est-elle perçue par les institutions européennes comme un facteur, sinon de division, du moins d'affaiblissement de l'Europe, ou au contraire, comme un facteur qui peut stimuler la dynamique économique locale? Et enfin, est-ce que vous pensez qu'elle est suffisamment connue, et quels sont les moyens européens de soutien à ces initiatives? Je vous remercie. C'est un peu compliqué quand vous êtes commissaire chargé de l'euro, ce qui est en gros mon cas, d'être tout à fait favorable à des monnaies locales, parce qu'il y a un problème de définition derrière, parce qu'on pourrait dire, alors du coup, la meilleure monnaie locale, allez, c'est la monnaie française, c'est le franc. Et je veux bien envisager ou réfléchir à des monnaies complémentaires, je ne crois absolument pas à des monnaies alternatives, pour les raisons dont on a déjà parlé jusqu'à présent. Après, je n'ai pas d'hostilité de principe, même si je pense qu'il ne revient pas à l'Union européenne d'aider à la constitution de monnaies locales, à des monnaies qui soient vraiment locales, c'est-à-dire qui soient sur un territoire bien circonscrit et vouées à effectivement de l'inclusivité, inclusivité, expérimentation sociale. Ça, c'est à la limite envisageable. Mais je pense qu'il faut vraiment circonscrire cela. Enfin, une troisième remarque que je fais, et ça, j'ai eu l'occasion de le vérifier comme ministre des Finances, il faut faire attention à ce que ces monnaies locales ou ces monnaies particulières comme le Bitcoin ne soient pas aussi des véhicules de fraude. Et donc, on ne peut pas faire ça sans qu'il y ait contrôle. Vous avez senti que mon enthousiasme était modéré, sans pour autant que c'est le moins qu'on je sois dire. Totalement négatif. Monsieur, là-bas, vous vouliez encore parler de la question de l'euro. Je vous ai coupé tout à l'heure. Oui. Non, mais c'est, je suis Phil Hay, je suis professeur de commerce international à l'école. Bonsoir, monsieur le commissaire. J'ai envie de revenir sur la question de la Grèce parce que il me semble que le problème des Grecs, c'est beaucoup pire. Enfin, ils s'enfoncent de plus en plus tous les jours. 300 milliards de dettes. Donc, personnellement, je ne vois pas comment un programme, aussi bon qu'il soit, serait la solution. Il y a des Allemands, les contribuables allemands qui renoncent, qui sont fâchés par rapport à cette dette. Monsieur Schäuble qui dit qu'il faudrait que l'euro est pas assez fort pour les Allemands. Les Grecs, par contre, ils ont besoin de monnaie X soit moins fort que l'euro actuellement. Donc, ma question, c'est est-ce que l'Europe, face à tous ces problèmes actuels, y compris le Brexit et les autres qu'on a évoqués, n'est pas obligée soit d'aller plus vers plus d'autorité, vous avez parlé de ministre de Finances, ou de renoncer à un moment donné à l'euro sous toutes les oppositions croissantes à ce dispositif. Est-ce qu'on est... On ne peut pas rester, il me semble, où on est. Il faudrait qu'on aille au-devant et qu'il faudrait plus d'autorité, quelque part. Le problème avec tous les États membres qu'on a et les tiraillements entre les États membres, et y compris devant le Brexit, est-ce que le Brexit ne pouvait pas être l'impulsion nécessaire pour plus d'Europe, qui est pour moi la seule solution face à la divergence que le marché unique nous a promis, mais jamais pouvoir livrer. En tant que Britannique, je suis extrêmement triste de voir ce qui s'est passé dans mon pays.
vous pouvez imaginer. Mais voilà, comment accorder pour les pays qui restent plus de pouvoir face à toutes ces menaces à l'Europe? Et est-ce que ce n'est pas le cas que si on n'a pas ce genre de sursaut, qu'inévitablement l'euro un jour va disparaître? Voilà. En fait, il y a trois questions dans votre question, si je les suis bien. La première, c'est la question de la Grèce. D'abord, je pense qu'il ne faut pas qu'on choisisse à la place des Grecs. S'ils souhaitent rester dans l'euro, c'est qu'ils ont quelques raisons. En général, l'homo economicus a quelque chose de rationnel, quand même, quelque part. Deuxième chose sur la Grèce, je constate que le programme, c'est aussi tout de même de l'argent. C'est que 80 milliards d'euros qui est aussi disponible pour les Grecs. Et je constate qu'il produit quelques résultats, enfin, puisque la croissance de la Grèce a été positive en 2016, elle devrait être fortement positive en 2017, et que l'investissement revient sur la base de structures qui sont assainies. Mais je le dis volontiers, on ne peut pas rester pour l'éternité avec une dette grecque au niveau où elle est. Donc il faut envisager les moyens de restructurer ou alléger la dette grecque, et à court terme et à moyen terme. Et c'est bien l'enjeu des discussions dans lesquelles nous sommes en ce moment même, qui doivent, à mon sens, aboutir rapidement. Et je souhaite qu'elles aboutissent, en fait, lors du prochain Eurogroupe, c'est la réunion des ministres de l'économie et des finances de la zone euro qui se tiendra le 20 février. La deuxième question, c'est celle de la divergence, je l'ai déjà traitée. Je pense en effet que si nous ne sommes pas capables de répondre à cette question de la divergence et de faire en sorte que les pays qui ont des excédents budgétaires et commerciaux investissent davantage, nous aurons à un moment donné un problème avec l'euro et que la protection qu'il apporte ne suffira plus à le justifier. Voilà pourquoi je suis vraiment pour ajouter des politiques économiques de convergence ambitieuses à la monnaie unique telle qu'elle est aujourd'hui. Enfin, il y a la question du Brexit. Vous voulez me donner une seconde, monsieur le commissaire, justement sur la question du Brexit. On va la grouper avec ce que les Grenoblois nous ont dit dans la rue. Et ils nous ont dit ça. Non, je pense qu'ils vont le regretter au niveau économique surtout, et qu'en plus ça va beaucoup fragiliser l'Union européenne. Oui, je pense que c'est une très bonne décision. Je suis allé en Angleterre et c'est un pays qui se débrouille très bien tout seul avec une bonne fierté du pays. Et c'est vrai que déjà ils avaient la monnaie qui était différente. Et en tant que pays à part, je pense qu'ils font une bonne chose. Ils sont développés, ils ont beaucoup de secteurs d'activité. Je pense que pour eux c'est très bien. Beaucoup, notamment d'eurosceptiques, pensent que c'est une bonne chose pour le Royaume-Uni, qu'il va pouvoir renégocier les traités. Je pense que ça ne va pas forcément être très facile. L'Europe va être assez ferme. Et pour renégocier les traités, ça ne va pas être aussi facile qu'ils pourraient le penser. Je pense que c'est pareil, elles vont se dégrader. À partir du moment où justement le Royaume-Uni va chercher des partenaires comme la Turquie, qui justement se sont fait recaler également de l'euro, je ne pense pas que ça devrait s'améliorer à l'avenir. Je pense que foncièrement ça ne devrait pas changer. Après, c'est la politique européenne qui peut créer un boycott, mais je pense pas qu'on y gagne. Alors, ils se débrouillent bien tout seuls, les Anglais? D'abord, non, je pense que c'est une mauvaise décision qui va coûter cher aux Britanniques en termes de croissance, qui aura un impact non négligeable pour l'Union européenne et qui nous affaiblit collectivement, parce que la Grande-Bretagne est un partenaire puissant, notamment en matière de sécurité, et aussi parce que c'est un pays qui est un pays européen. Et donc, je regrette cette décision. Je la regrette, mais je la respecte. Quand un peuple s'exprime par référendum, il n'y a pas à discuter. Donc maintenant, il faut mettre en œuvre. D'autant que le Parlement britannique, hier, a voté l'autorisation de lancer, ou plutôt de notifier la demande d'ouvrir les négociations par 429 voix contre 122. Donc il n'y a pas de discussion, le Brexit aura lieu. Et encore une fois, on peut regretter, et on ne peut pas juger, et il faut respecter, et derrière, il faut appliquer. Après, quelle sera la relation avec le Royaume-Uni? Elle sera profondément différente. Il est trop tôt pour dire comment, parce que par définition, on ne va pas parler de la conclusion d'une négociation qui n'est même pas encore commencée, qui va durer 2 ans. Mais je voudrais faire 2 remarques qui me paraissent de bon sens. Un, quand vous êtes membre d'un club, et c'est les Britanniques qui ont inventé les clubs,
vous avez un certain nombre de droits particuliers. Voilà, c'est fermé. Quand vous n'êtes plus membre du club, vous n'avez plus les droits qui y sont afférents. Et donc, forcément, la relation entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sera moins bonne pour la Grande-Bretagne après le Brexit qu'avant. Sinon, on peut profiter du meilleur des deux mondes et c'est plus la peine d'être dans une union. C'est ce que les Britanniques eux-mêmes appellent du cherry picking, du pick and choose. Je prends ce qui me plaît, je laisse le reste. C'est juste pas possible. C'est pas une punition, c'est juste une conséquence. La deuxième chose, c'est que Madame May, la première ministre de Grande-Bretagne, a décidé, et c'était logique, que la Grande-Bretagne ne serait plus membre du marché intérieur. Qu'est-ce que c'est que le marché intérieur ? C'est quatre libertés de circulation, des biens, des services, des capitaux et des personnes. Et pour nous, les Européens, les 27 qui restent, qui vont rester, ces quatre libertés vont ensemble. C'est-à-dire que là encore, il y aurait peut-être une idée qui serait de faire du pick and choose. Ce serait sympa, quoi. On garde la liberté des services, des capitaux et des marchandises. On garde le passeport financier. On garde la place financière de Londres. Et puis, on vous laisse la liberté de circulation des personnes. Autrement dit, on ferme nos frontières à l'immigration. Trop facile. Ça ne se produira pas comme ça. Pour nous, les Européens, les quatre libertés sont indissociables. Voilà les deux remarques que je peux faire simplement. Après, il reste une négociation très compliquée à mener. C'est-à-dire un Français qui l'amène à la Commission, le directeur général, c'est Michel Barnier, que vous connaissez dans cette région, puisqu'il a été... Il aurait bien voulu être président de la région, il n'a pas pu, mais il a été longtemps élu local, président de conseil général d'un département voisin, ministre, son ami. Et je pense qu'il est tout à fait qualifié pour faire ça. Camille, Clément, est-ce que vous avez repéré d'autres volontés d'intervention ? Une question ici. Bonsoir, monsieur. Ma question, je m'appelle Guillaume, je suis étudiant à Grenoble École de Management. Et on a parlé beaucoup des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne. Mais on a un peu oublié nos amis chinois qui utilisent leur monnaie, le yuan, comme outil de protectionnisme. Ce que fait de moins en moins l'Union européenne et quelle politique on peut mener pour protéger nos entreprises grâce à l'euro ? D'abord, nous ne devons pas être dans une logique protectionniste. Et la réponse aux protectionnistes n'est pas de rétablir nous-mêmes des barrières. Mais c'est en revanche dans le cadre international, dans le cadre du G7 et du G20, de poser cette problématique aux Chinois. Et puis, quand il y a des problèmes qui se posent, par exemple des surcapacités dans le domaine de l'acier, de mettre en place des mesures qui sont des mesures anti-dumping. Avec la Chine, on doit avoir une attitude qui est à la fois une attitude extrêmement ouverte, parce que c'est un partenaire important, parce que nous avons besoin d'investissements chinois, parce que nous devons nous-mêmes aller vers leur marché, nous devons exiger une réciprocité, et nous devons aussi faire en sorte d'être capables de nous protéger, pas par le protectionnisme, mais par un certain nombre, encore une fois, d'outils dont nous disposons. Et je pense que la question monétaire doit être posée, elle est d'ailleurs régulièrement par les États-Unis dans le cadre international. Mais ce n'est pas à nous de mener à nouveau des politiques de dévaluation. Si on commence à manipuler le cours de notre propre monnaie, à ce moment-là, on se trouve dans un système où tous les grands ensembles se dissocient les uns des autres. On ouvre une guerre des monnaies. Quand on ouvre la guerre des monnaies, on n'est jamais sûr de la gagner. Donc moi j'avais une question aussi, je m'appelle Benoît, donc de l'association Je m'en ai pas. C'est surtout pour, on parle beaucoup de Brexit, mais je pense que s'ils ont fait ce choix, déjà on est plus trop à même de le juger, mais surtout de comprendre leurs raisons, c'est ici. Comprendre leurs raisons, et je pense que l'une des raisons c'est peut-être la lenteur de réactivité de l'Union européenne, parce que je vais prendre notamment un exemple que tout le monde connaît, la crise des subprimes. L'Union européenne a quand même été la dernière à réagir, notamment en baissant ses taux directeurs, donc bien après la Fed. Donc on s'aperçoit là qu'il y a un problème, et notamment parce qu'il y a beaucoup d'États membres, 28 et dont 19, qui ont la même monnaie. Donc est-ce que cette hétéroclicité des acteurs est justement un frein à cette union européenne et monétaire ? Par définition, oui. Justement, nous ne sommes pas un État fédéral. Et donc nous sommes obligés d'avoir des mécanismes de décision qui sont compliqués. Par exemple, la commission à laquelle j'appartiens, certains voient en elle une espèce de super pouvoir, de super gouvernement. Elle a beaucoup de responsabilités, elle a beaucoup de pouvoir, mais elle n'est pas le gouvernement de l'Europe. Elle est sa force de proposition, mais ce sont les États qui décident. Et forcément, décider à 28, c'est compliqué. S'agissant de la zone euro,
je dirais que les choses sont un peu plus simples, parce qu'il y a beaucoup plus d'homogénéité en réalité parmi les 19 que parmi les 27 ou 28. J'ai été ministre des Finances et maintenant je suis commissaire aux affaires économiques et financières. Et comme tel, je participe à deux mêmes conseils des ministres, ce qu'on appelle l'Eurogroupe, les ministres de l'économie et des finances de la zone euro, et puis le conseil ECOFIN, le conseil des ministres de la totalité de l'Europe. Et dans un, on est bloqué, paralysé par l'unanimité, on a vraiment beaucoup de mal à faire adopter des législations, c'est le conseil ECOFIN à 27, et dans l'autre, l'Eurogroupe, on prend des décisions opérationnelles assez rapides. Ce qui s'est passé à propos de la crise des subprimes et de la crise grecque, c'est qu'en réalité, la zone euro n'avait pas les outils pour faire face à ce type de crise. Donc elle a été obligée de les inventer au fur et à mesure. Ça a pris du temps et il y a eu sans doute, notamment pour la Grèce, des erreurs. Depuis 2011, nous avons un cadre un peu plus précis qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance, qui est plus robuste. Nous avons des mécanismes, le mécanisme européen de stabilité, qui est une sorte de bazooka financier qui peut disposer jusqu'à 700 milliards d'euros en cas de crise, qui donc est une sécurité. Je dirais l'amorce d'un fonds monétaire européen. Je pense qu'il faut poursuivre là-dedans. Et derrière ça, il y a la question aussi de la pertinence de nos règles. Je pense encore une fois qu'il faut des règles, j'ai commencé par là, mais qu'en même temps, il n'est pas interdit de réfléchir à l'intelligence d'une règle, la rendre plus simple, la rendre plus souple, la rendre plus rapide, la rendre économiquement plus cohérente. Tout ça ferait sens et donc j'y suis aussi ouvert. Mais je pense que c'est ces deux choses qui se sont produites, c'est-à-dire nous n'avions pas les outils, ça va trop lentement, mais le bon niveau de réponse, c'est toujours l'eurozone. Parce que si on place tout au niveau des 27, là, c'est vrai que la législation européenne est beaucoup plus longue. Voilà la raison pour laquelle, pour moi, je n'oppose pas les 27 aux 19, mais je pense que notre priorité, c'est de consolider la zone euro. Merci. Il nous reste encore de quoi prendre deux interventions dans la salle. Je vois une main qui se lève très haut là-haut. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. Tout là-haut, regarde Camille. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi? Ben, mademoiselle, c'est à vous. Je suis arrivé avant toi, Camille. C'était moins haut, hein. Plus facile. Bonsoir, monsieur Moscovici. Donc, Sophia, de l'association J'aime en débat. On parlait tout à l'heure des monnaies locales. Ce n'est pas vraiment une question spécifique aux monnaies locales, mais plus en tant qu'euro-optimiste extrêmement convaincue que je suis par rapport à la gouvernance. Qui pose quand même quelques questions dans l'Union européenne. Ne pensez-vous pas que les monnaies locales peuvent être un moyen de réappropriation des politiques monétaires à l'échelle locale? On voit aussi qu'il y a des réseaux qui se forment, des sommets, des monnaies locales qui se forment. Donc ne pensez-vous pas que sans contrevenir à la force de l'euro et à la compétitivité de l'euro par rapport aux autres monnaies, que justement ces monnaies locales peuvent être un moyen de réappropriation de la gouvernance par les citoyens européens et justement de la baisse de l'euroscepticisme? Je vous le dis, j'ai une réaction par rapport à ça qui est raisonnée. Je pense qu'il faut vraiment qu'une monnaie locale corresponde à une appropriation locale, à des politiques locales, à une approche locale. Sinon, ça pose d'autres problèmes. Et je pense ensuite qu'il faut être capable de contrôler la manière dont c'est utilisé. Pour le reste, je n'y ai pas d'hostilité. Simplement, je ne vois pas en quoi ça a un rapport avec l'Union européenne et en quoi ça permet cette réappropriation-là. C'est ce lien que j'ai du mal à voir. Mais je vais y réfléchir, je vous promets. Avant de passer à la question de la dame, je vous propose d'aller faire un tour en Amérique avec Grenoble, Radio Campus Grenoble. Est-ce que ça marche? Ouais. On a une petite réaction, monsieur Moscovici, sur quels peuvent être les effets concrets de Donald Trump en fait, sur l'Union européenne. À mon avis, c'est une question plutôt économique. Quels effets sur les échanges, par exemple, entre les États-Unis et l'Europe, par exemple? D'abord, il faut garder un tout petit peu de prudence. Donald Trump est président depuis 20 jours. 20 jours. Donc, je me garde de trop de préjugés, de parti pris, de procès d'intention. Je vais attendre encore un peu. Je vais attendre d'aller à Washington, de rencontrer le secrétaire d'État au Trésor, de voir les gens qui traitent de commerce extérieur. Enfin bref, un tout petit peu de prudence. Et je n'oublie pas non plus que les États-Unis, c'est un pays ami, un pays partenaire, un pays allié. Donc je ne voudrais pas qu'on tombe dans l'anti-américanisme qui est quand même un fonds de commerce habituel en France et qui n'est jamais très intelligent. Et qui d'ailleurs provoque
des rétorsions. Après, c'est quand même un président original, et ça ne va pas être pareil, et ça ne va pas être mieux. On aura, c'est vrai, une Amérique qui se préoccupera moins de la sécurité de ses voisins. Moralité, il faut qu'on s'occupe de notre défense. On aura une Amérique plus protectionniste qu'avant, et donc nous, il faut qu'on soit plus offensif. On aura une Amérique qui va mener une politique budgétaire très expansive, et donc on risque d'avoir un retour de l'inflation et de taux d'intérêt. Ça marchera à court terme, ça ne marchera pas à moyen terme. Et on aura une Amérique très inégalitaire, où les très riches s'enrichiront encore, et où les très pauvres, ceux du bas de l'échelle, perdront encore, et perdront notamment, par exemple, l'Obamacare et les systèmes de sécurité sociale. Moi, j'ai envie de dire, la meilleure réponse à Trump, c'est de faire l'inverse. C'est pas d'avoir un jugement, un préjugé. C'est de dire, il veut mettre des murs. Mettons des ponts. Bâtissons des ponts. Des ponts humains, des ponts culturels, des ponts de valeur, des ponts commerciaux. Il veut mener des politiques inégalitaires. Occupons-nous de la promotion de nos couches moyennes. Et soyons tout simplement de plus en plus européens. Il souhaite nous diviser. Soyons unis. Ma réponse, elle n'est pas idéologique, elle n'est pas de principe. Je pense qu'on est confronté à un vrai débat politique avec Donald Trump. Il faut le mener en amitié. Enfin, on n'est pas pareil. Et donc, soyons nous-mêmes. Madame, c'est vous qui avez la dernière intervention. Bonsoir. Donc, je suis Séverine. Je suis inspecteur de fabrication des équipements hydrauliques pour EDF, donc c'est-à-dire les vannes, les conduites forcées, etc. Moi, je constate qu'on passe de plus en plus de contrats à l'extérieur, donc à l'Europe de l'Est, en Chine, en Inde. Donc, je voyage beaucoup dans le monde. Parce que tout simplement, on choisit le moins 10 ans. On ne choisit pas la compétence. Moi, je connais des entreprises françaises qui travaillent très, très bien, même encore mieux. J'ai moins besoin d'aller souvent chez eux parce que je sais qu'ils réalisent très bien leur travail. Tout simplement, je connais une entreprise alsacienne qui est en redressement judiciaire en ce moment. Donc, notre carcasse d'alternateur est en ce moment suspendue. Tout simplement par manque de contrats. Alors, vous avez évoqué la libre circulation, enfin, la libre circulation des capitaux et des personnes. Donc justement, oui, ce sont les articles 63 et 32 du TFUE, donc du traité du fonctionnement de l'Union européenne. Donc c'est la libre, on interdit en fait tout contrôle des mouvements des capitaux et des personnes au sein de l'Union européenne, mais aussi à l'extérieur. C'est ce qui est précisé dans le texte. Donc du coup, moi je voulais retracer que en fait avant le traité de Maastricht, une entreprise française n'avait tout simplement pas le droit de transférer librement des capitaux d'un montant significatif si elle souhaitait acheter ou construire une usine, il fallait qu'elle obtienne l'autorisation du ministère de l'Économie et des Finances. Et donc, ce dernier, il étudie de près le dossier pour voir les avantages et les inconvénients en termes d'emploi, de savoir-faire et de commerce extérieur, parce qu'on peut très bien s'installer dans un autre pays pour développer son commerce. Or, maintenant, avec cet article, on interdit tout contrôle de ces mouvements. Donc, du coup, ma question, c'est, pensez-vous pas que ces articles favorisent finalement les délocalisations des entreprises françaises qui vont vers des pays à bas coût, qui fabriquent nos produits pour de nouveau les importer chez nous ? Merci bien de votre écoute. Je pense d'abord que ce que vous évoquez, ce sont des traités, non pas du traité de Maastricht, des articles du traité de Maastricht, mais des articles du traité de Rome de 1957. Et après, il y a des réglementations. Par exemple, il y avait encore un contrôle d'échange au début des années 80. Bon, on a renoncé à ça. Il y avait un contrôle des prix dans les années 80, on a renoncé à ça. Et c'est pas lié à la concurrence libre et non faussée. Mais vous savez, moi j'ai passé une journée formidable à Grenoble où j'ai surtout vu de très très belles entreprises, avec des gens qui sont extrêmement innovants, et un bassin d'emploi qui est un des plus compétitifs d'Europe, et qui en plus est frontalier de l'Italie. Et la réponse que je me fais, c'est qu'il n'y a pas de fatalité française qui serait liée à je ne sais quoi, des facteurs extérieurs, des facteurs législatifs. Ça dépend aussi de nous. Ça dépend de notre force, de notre capacité à innover et à investir. Sinon, je voudrais faire une remarque de mon sens. On a parlé tout à l'heure des Porsche et de la Feta. Nous sommes la deuxième économie de la zone euro, la France. À côté de nous, il y a un pays qui s'appelle l'Allemagne. Il a 252 milliards d'euros d'excédent. Nous avons 50 milliards d'euros de déficit commercial. Est-ce que le problème, c'est l'euro ? Non ! On a la même monnaie. Le problème, c'est notre compétitivité, c'est notre agressivité industrielle, c'est notre organisation, c'est notre capacité à nous réformer,
Moi, je suis persuadé que la France a absolument les capacités d'être l'égale de l'Allemagne. Les entreprises que j'ai vues aujourd'hui, elles n'existent pas en Allemagne. Cette capacité d'innovation, elle est très supérieure. Après, il y a encore beaucoup de choses qui sont l'esprit d'entreprendre, et qui sont l'articulation entre la recherche, le développement, la production. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Et c'est là-dessus que je finis, parce qu'on a une année électorale en France en 2017. On parle de sujets qui parfois me désolent, de toute nature. On parle très peu d'un projet qui permet à la France d'être plus forte avec l'Europe et en Europe. Et si j'ai un vœu à faire, c'est que on s'y mette. Il est temps, c'est dans quelques 70 jours, et on va élire un président de la République, il aura du travail, il peut être ni faible, ni flou, ni vague, ni abscon. À vos votes. Monsieur Moscovici, une demi-seconde, peut-être la réaction, Mathieu, Alexandre, Twitter, je vous renvoie juste cette question et après on se quitte, pour que vous puissiez reprendre votre train. Oui, alors s'il fallait faire un bilan rapide de ce qui s'est passé sur Twitter pendant la conférence, il y a eu une grosse quinzaine de comptes qui ont été assez actifs, qui reprenaient majoritairement les déclarations que vous avez pu faire pendant cette conférence. Donc s'il fallait résumer en gros, voilà que vous êtes un europhile, un fédéraliste raisonné dans une commission antipopuliste, que votre priorité c'est la consolidation de la zone euro, que le Brexit est une décision regrettable mais qui doit être respectée. Voilà, c'est ce qu'on a pu lire un petit peu dans les reprises de vos déclarations. Il y a eu des remerciements également, donc des remerciements à vous, à J'aime en débat, à Julien Roirand qui a animé également cette convention. Et il y a eu, on a décelé quand même quelques eurosceptiques, on va dire, qui... avec des tweets qui sont un peu difficiles à expliquer parce qu'il y avait des graphiques qui étaient impliqués, mais qui montraient pourquoi l'Europe et l'euro surtout étaient une mauvaise chose pour la France et pour l'Italie notamment, et pourquoi un Frexit, donc une sortie de la France, serait une bonne décision. Et il y en a un qui finalement, pour conclure, disait que si l'Europe et l'euro sont une si bonne chose, pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire autant de propagande européiste? Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce dernier tweet. Qu'est-ce que vous ramenez à Bruxelles de notre échange de ce soir, M. Moscovici? D'abord de l'optimisme, mais au-delà de ça, non, en vérité, je suis sur Twitter. Je dois avoir un compte avec, je ne sais pas, 172 ou 173 000 followers. Je regarde les réseaux sociaux. Je les connais. Et franchement, quand je regarde mon compte Twitter, je n'ai pas l'impression que ce soit les europhiles qui débordent. J'ai parfois l'impression d'ouvrir une poubelle assez nauséabonde, avec des insultes parfois d'une vulgarité lamentable. Et j'ai envie de dire que c'est exactement le contraire, en réalité. Ce sont les europhiles qui ne sont pas assez offensifs. Et j'ai envie de leur dire, Européens, sortez vos poings de votre poche, sortez vos drapeaux, allez-y, n'ayez pas l'Europe timide, paresseuse, honteuse. Dans une campagne électorale, qu'est-ce qu'on va entendre? Des gens qui sont contre l'Europe, c'est Marine Le Pen. Des gens qui sont mous de l'Europe ou mous sur l'Europe. Eh ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc vous qui êtes très européens ici à Grenoble, ne vous laissez pas faire. Et encore une fois, à vos votes. Merci beaucoup. Ne soyez pas mous de l'Europe. Le dialogue continue. Sur ec.europa.eu/France et évidemment avec le double hashtag EUDialogue qui existe partout en Europe. Je vous laisse partir en remerciant, bien entendu, en vous remerciant d'avoir participé, en remerciant Pierre Moscovici, en remerciant J'aime en débat beaucoup, en remerciant le CIED, en remerciant Radio Campus. Et vous encore, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour vos interventions. Et l'UPEG, bien entendu, d'Henri Oberdorf.